matin chez Talent, au cœur de cette deuxième rencontre acteur public, nous recevions un certain nombre de clients et de partenaires de notre écosystème service public pour parler des enjeux de l'administration numérique. Notre rôle, c'est de leur proposer une démarche innovante, simple, qui leur permettait justement de désacraliser ces projets de transformation digitale de leur structure de la manière la plus sereine. L'objectif étant d'optimiser collectivement l'action publique. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Donc évidemment, on va se concentrer sur l'expérience utilisateur, favoriser l'orientation mobile. La transformation de l'administration est un enjeu fort et le digital en est le catalyseur. Et donc on va parler d'e-administration, en ce qu'elle sera en capacité de se transformer, elle, en interne, dans son fonctionnement, de répondre à des exigences réglementaires, mais également à délivrer des services à forte valeur ajoutée vis-à-vis des citoyens. Talent est à l'initiative de l'émergence de nouveaux services en se posant la question de la faisabilité, la question de la rapidité par les méthodes agiles et également une question fondamentale qui est l'usage de la data. People, c'est une start-up qui est centrée sur l'acculturation au numérique des collaborateurs des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. People se positionne comme agrégateur de briques et de formations qui sont tout à fait originales pour proposer un service de bout en bout à nos clients, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'au progrès global. Et là, c'est l'intelligence collective que l'on a avec un partenaire comme Talent. Nos prestations à nous se cantonneront aux conseils associés à notre plateforme. On se positionne comme un éditeur de plateforme SaaS. Je suis ravie de voir que ces rencontres talents acteurs publics ne sont pas simplement des lieux de restitution, mais réellement des lieux de partage dans une approche collaborative et que de réelles problématiques émergent et sont traitées au fil du temps.